Bonjour. Pendant que les copains sont à l'apéro, je vais faire le tour du plateau. Nous sommes à Magny-le-Hongre. Il est presque 13h, le temps est magnifique. On en profite, il fait très chaud, on est tous en chemisette. Je commence par un magnifique voilier dont je ne connais pas les caractéristiques, c'est pas grave. Je vous laisse juste admirer. Gros voilier encore, un gros voilier avec deux gouvernails et le Tinouf. C'est du gros bébé ça, c'est du modélisme, c'est de la maquette. Encore un petit voilier, je pense que ça c'est un micro magique caché. Compétition. Le Jacques, que vous connaissez maintenant, qui a ses petits soucis que je vais devoir régler pour la semaine prochaine parce que j'aurai honte. Je ne vais pas laisser une semaine à bateau. L'abeille de mon ami Alain, que vous connaissez déjà bien sûr, mais dont on peut apprécier à chaque fois la mécanique. Du coup, je vérifie si ma radio est éteinte, c'est bon, ma radio est éteinte. Un Riva, un petit Riva. Les drones de notre ami. Antonin nous fait ça bien, avec ses bateaux et son camion. Un sous-marin sur un camion. Quelques offshore que nous allons voir tourner tout à l'heure. Du matériel électronique. Là-bas encore, du voilier couché. On a du vent, hein, je vous l'ai filmé tout à l'heure, on a du vent. Les 152 VO, alors ça je les adore, on en aura plusieurs. J'espère qu'on aura une petite course que je pourrais faire. Regardez ce magnifique 152. Et celui-là alors. On va retomber dans le classique, le pousseux de notre offshore club. Sauf que maintenant, regardez sur le pousseux, il y a plein d'accessoires, notamment un petit bateau de secours. Les monos du club. Les monos, c'est pas les moniteurs, hein. C'est la catégorie de bateaux offshore. Là, on attaque le yacht. Alors, encore un petit cyber de golo. Petit pêcheux. Magnifique petit yacht. Et énorme péniche qui, je le sais, pèse un bras. Elle fait quoi, 30 kg? 30 kg. Alors, vous voyez, imaginez. Faut dire qu'elle a ça. Elle a 25 ans. Elle est magnifique. Je la verrai tout à l'heure. J'espère que je pourrai en faire un film parce que. Elle a même son. J'ai mis un ampli de 10 watts dessus. Ah, alors j'espère que j'aurai le droit, elle aura le droit à son film, avec grand plaisir. Là-bas encore une batterie. Écoute, moi je te crois, moi c'est. C'est pareil, je viens de le retaper, il est de 1975. 1975 ouais. Écoute. J'avais 5 ans, c'est mon père qui l'a construit. Ah, j'imagine, parce que si t'avais 5 ans, je te fais confiance. Là-bas, regardez, du gros offshore, mais du gros quoi. Entre le Miss Gecko. Il y a même une Jeep, c'est vraiment un magnifique Sea Wind. Il y a du vent, regardez, hein, les bateaux bougent. Hein. Un petit kata. Et là encore, mono. Ne touchez pas les enfants, j'adore. Et regardez encore. Du bateau. Et je finirai, une fois n'est pas coutume, par une magnifique goélette, hein. L'Atlantis qu'on ne connaît, qui sauf erreur est un kit de chez Rob. Voilà. C'est l'heure de l'apéro les amis. Il y a encore un voilier posé au loin sur son berre face au vent, pas de souci. Ici au moins l'avantage c'est que le vent est régulier et le plan d'eau superbe. Voilà. Au revoir les amis.